Alors Sonia, bonsoir. Bonsoir. Victoire 2-1 de Lyon. Belle victoire. Oui, je pense que sur l'ensemble du match, dans le contenu, on a fait une belle prestation. Après, voilà, il y a 2-3 situations où on a été mis un petit peu en difficulté, mais je pense que sur l'ensemble du match, on a bien maîtrisé les choses. Et ce soir, c'est une victoire méritée de l'Olympique Lyonnais sur le Paris Saint-Germain. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs de la part du PSG, mais c'est vrai que vous disiez à vos joueuses pendant l'entraînement, la technique, c'est notre jeu, je vous ai entendu le dire. C'est là-dessus que ça s'est joué, on peut dire ? Je pense qu'on a un projet de jeu qui est bien identifié. Ce soir, les filles ont bien su le mettre en place, donc c'est une satisfaction. Après, voilà, avec Gérard, on insiste beaucoup sur la technique. Et c'est vrai que ce soir, je pense qu'on a eu une forte possession du ballon sur l'ensemble des 90 minutes. Donc c'est notre marque de fabrique, mais c'est bien de l'avoir mis en place aussi face à un adversaire de qualité. Alors, c'est vrai qu'une équipe de Lyon qui est composée de beaucoup de joueuses françaises et de joueuses étrangères qui sont là quand même depuis un certain temps ensemble, c'est une cohésion, c'est un élément supplémentaire pour face à une équipe de PSG peut-être pas encore trop formée entre elles. Ouais, on va dire qu'à l'Olympique Lyonnais, on a une ossature qui travaille ensemble depuis maintenant pas mal d'années. L'ossature évolue peu et par petites touches, on vient à chaque fois l'enrichir. Donc c'est bien, les filles qui intègrent le groupe s'intègrent très vite en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. Donc c'est plutôt positif. C'est vrai que le collectif à l'Olympique Lyonnais, voilà, c'est la priorité et ça permet de mettre un jeu en place qui est bien huilé. Donc du coup, par rapport à ça, c'est vrai qu'on a peut-être et sûrement un avantage sur le Paris Saint-Germain. Alors juste pour finir, deuxième épisode de la trilogie, samedi prochain, là c'est tout autre chose, avec des champions. Vous partez avec quel état d'esprit pour l'instant ? Très honnêtement, là déjà on va savourer la victoire de ce soir, bien récupérer, puis on a toute une semaine pour préparer le match là-bas à Paris, le match aller de la Ligue des Champions. Donc voilà, pour l'instant on n'est pas encore focalisé sur ce match-là, on va savourer. D'accord, très bien, merci à vous. Merci.